Les chats sont tellement mignons. J'aimerais tellement en avoir un. Leur fourrure est si douce et réconfortante. Qui est là? Je reviens, mon petit. J'arrive. Il y a quelqu'un? Hein? Oh, quel mignon petit chat! Je vais m'occuper de toi. Oh, je vais m'occuper de toi. D'abord, on va bien te nettoyer. Une douche chaude te fera le plus grand bien. Maintenant, je vais t'envelopper dans une serviette douce. Oh, tu es vivant, mon petit chat! Non, tu es à moi. Je t'aime tellement. Je prendrai bien soin de toi, ma belle. Oh, oh, dégoûtant! Oh, j'ai des poils de chat partout! Je dois faire quelque chose! Heureusement que j'ai ce gant. Miaou, caresse-moi, s'il te plaît! Ce gant permet à la fois de te faire un massage relaxant et d'éviter que tu mettes des poils partout. Miaou, c'est bien là, continue! Pouh, qu'est-ce que cette fête était ennuyeuse! Est-ce que j'ai dit fête? Eh bien, c'est vrai que ça fait penser à de la musique très forte. Est-ce que vous devinez ce que je suis en train de faire? Une paire d'écouteurs en fourrure pour toi. Ne sont-elles pas mignonnes? Voilà, chaton, profites-en. Miaou, tellement chic, j'adore ça. Oh, c'est tellement bien. Je sais, n'est-ce pas? Écoute le rythme. Je reviens tout de suite. De nouveaux rideaux. Mettons ça. Un peu trop haut. Mickey, un coup de main, s'il te plaît. D'accord, papa, mais j'ai une meilleure idée. Appel de rideau pour le confort du chat. Nous transformons cette table en un refuge douillet. Le rose, c'est parfait. Un château sans plis. Sympa. Aïe. Ouch. Nous avons besoin de quelque chose de doux par ici. Venez ici, les amis. Kitty a besoin d'une armée moelleuse pour se réconforter. Oh, tellement confortable. Oh. Oh, ça ne se reproduira pas. C'est comme ça qu'on fait. Regarde ta nouvelle maison. Est-ce que tu l'aimes? Miaou. Il me manque toujours un lit. Oh, très bien. Je reviens en un éclair, Kitty. Oh, papa, j'ai besoin de ce pull. Hein? Quoi? Je viens le chercher. Wow! Merci, papa. Oups. Un lit, tu dis? Défi accepté. Ajoutons un peu de douceur. Et bam! Mais on a toujours besoin de plus de duvet. Ouh. Ma machine à duvet est toujours prête à produire plus de duvet. Entrez! Qu'est-ce qui est mieux qu'un lit confortable? Un lit qui fait des câlins? Ton lit est prêt. Allez, essaye, chaton. Oh. Confortable, non? Oh ouais! Je vais aussi essayer. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je suppose que ça va être frais ce soir. Tout pour mon bébé. Gouli, 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 gouli. Je vais l'avoir. Donne-moi ça. Oh, oh, non, non, chaton, non! Qu'est-ce que c'était? Arrête, non, ne fais pas ça! Chaton, je suppose qu'il a besoin d'un autre jouet. Peut-être qu'il y a quelque chose ici. Allez, ouvre, papa! Hein? Attends, chérie! Qu'est-ce qui te prend autant de temps? Oh, se raser dans le bain. Quoi? Je me rase simplement. Ah, d'accord. Oh, ne fais pas attention à moi. Je dois juste prendre le tuyau. Oh, le voilà! Un peu étrange. Oh, pas ce tuyau! Nom d'une inondation, chérie! J'imagine quelque chose qui commence par la lettre C. Waouh! Maintenant, soyons créatifs. Une pelote de laine devrait faire l'affaire. On le roule sur le tuyau jusqu'à ce qu'il soit ouvert comme ceci. Et c'est le dernier. Ça peut servir de support. Et voilà! Il manque quelque chose ici. Jolis yeux, Christo! Génial! Hé, qu'est-ce que c'est sur mon visage? Une moustache? Oh, bah. Eh bien, au moins, ça ajoute un peu de mignonnerie. Tu le vois aussi? Hé! Hey, où est mon sombrero? Arriva! Oups! Sombrero en approche! Oh! Arriva! Chérie, regarde ce que tu as fait! Désolée, papa! Il est temps de dormir, va au lit! D'accord, papa! Ah, oh, mais je suis pas encore fatiguée! Reste silencieuse, il dort profondément! Ferme la porte! Oups! Chut! Parfait! Facilement et lentement! J'ai eu le coussin! Nous allons encore faire quelque chose de confortable! J'ai des collants et des ciseaux! On coupe les collants de sorte qu'il y ait quatre lignes. Et on les étale comme ça! On ajoute le coussin et on fait un nœud à la fin. Ah, oh, j'ai trop hâte! Le nœud est serré et on obtient une balançoire. Regarde, c'est aussi rebondissant! Mino, mino, mino! Mais où est-ce qu'il est allé? Hé, mais t'es où? Je suis ici! Oh, Minou, te voilà! Bonne nuit, Kitty.
Aïe! J'ai mal à la nuque. Hein? Où est le coussin? Ça doit être encore Mickey. Mickey, chérie! Où te caches-tu? Mickey! Mon bébé dort. Oh, elle est si mignonne quand elle dort. Doux rêve, bébé. Elle ressemble à un ange. Les accessoires de maison sont prêts. On accroche des jouets ici. Le cactus sombrero est ici. Et bien sûr, des écouteurs moelleux. Oh, on a besoin aussi d'éclairage. On va juste mettre ça tout autour. Et voilà. Ouh, la décoration d'intérieur est quelque chose. Oh, minou, minou, minou. La pizza est délicieuse. Mais je suis rassasié maintenant. Eh bien, c'est beaucoup de déchets. Ah ah! Peut-être que la poubelle peut être encore utile. Viens, Kitty, ta maison est prête. Oh, Mickey. Papa? Oh, mais qu'est-ce que c'est? J'ai quelque chose pour toi. Salut, chérie. Je pensais que ton chat pourrait utiliser ça pour faire ses besoins. Oh, waouh! Minou, regarde ce que papa t'a acheté. Oh, papa, ils sont tellement mignons. Merci, papa. Merci beaucoup. Oh, tout pour toi, chérie. Chérie, regarde. Qui sont ces Kringos? Excusez-moi. Tu as de la nourriture? Oh, lumière brillante. Je peux pratiquer mes coups de patte. Miaou! Le lit est mon préféré. Dégoûtant. Oh. Papa, je peux avoir un chat, s'il te plaît. S'il te plaît. On a un chat à la maison. Oh, mais c'est vrai. Regarde comme il est mignon. Oh, mais c'est qu'un jouet, ça. Oh, j'aimerais tellement que tu sois vivant. Bon, allez, je vais te donner un bain. Oh, mais tu es vivant. Les chats ont horreur de l'eau, ma belle. Pourquoi tu fais ça? Tchou. Grace, tu n'aurais pas ramené un chat à la maison par hasard? Un chat? Non, j'ai joué juste avec mon chat en plastique. Il ne faut pas que papa s'en aperçoive. Tu vas rester avec moi. Attends là, je vais construire une petite maison rien pour toi. C'est parti. Ciao, ciao les jouets. Il me faut un peu de place pour Misty Gris. Je n'ai plus du tout besoin de toi. Oh, ciao, ciao. Ça va ressembler à un château. Bien sûr, il faut qu'il soit rose. Dernier coup de pinceau et voilà. Je me demande sur quoi aimerait marcher mon matou. Ce gazon artificiel fera parfaitement l'affaire. Parfait pour elle. Oh, mes gadgets sont là. Merci, là, la livraison. Les chats adorent les cartons. On va les recycler. J'ai vu un tuto brico sympa là-dessus. Elle doit pouvoir tout voir depuis sa cabane. Il lui faut juste une fenêtre. Oh, pec! Maintenant, je vais regrouper les cartons pour lui faire plusieurs pièces. Elle aura de nouveaux petits coins douillés à elle toute seule. Un chat adore les coins comme ça. Oh oui, Misty Gris aura besoin d'un tapis. Et bien sûr, on le peint pour qu'il soit incroyable. Oh, c'est tellement mignon. Waouh, le rose, c'est ma couleur préférée. Tu as de très bons goûts. Oh, des autocollants en forme de chat. Même si elle ne se sent pas seule. Trop chou, des copains tout autour du tunnel. Ça donnerait quoi si je mettais des autocollants d'humains mignons partout dans ma chambre? Papa l'adorerait. C'est dommage qu'il ne puisse pas savoir. Vous avez vu? L'endroit idéal pour elle. Youhou! Oh, elle aura besoin d'une autre forteresse plus tard. De l'eau pétillante pour cette petite reine. Ouais, ouais. C'est super facile à installer. Et fini. Ouais. La fontaine, je peux la mettre où? Je sais. Les chats adorent grimper partout. Et ça lui fera un beau panorama. Solide étagère. La place idéale, en somme. Waouh, c'est une vraie fontaine. Mais on peut y boire. Oh, elle va adorer. On ajoute de la déco. C'est tout doux. Juste au cas où quelqu'un n'est pas au courant qu'on peut boire à la fontaine. Elle est trop rafraîchissante. Hein? Qui est-ce? On n'attend personne. Bonjour, un colis pour votre chat. Nous n'avons pas de chat. Ça c'est pour moi. Peut-être que c'est pour ce chat-là. Désolé, nous n'avons pas besoin de nourriture pour chat. Au revoir. Mais vous l'avez commandé. Au revoir. De la nourriture pour chat? T'es sérieuse? Oh, j'espère qu'il ne va pas rentrer. Attends, attends. Oh, c'est l'heure de fabriquer un jouet pour qu'elle se passe les griffes. Oh, un pilier sur un socle en bois. Ouh, c'est lourd, mais ça plaira à Misty Gris, à mon avis. Je vais fabriquer le meilleur jouet du monde. On enroule le fil tout le long du pilier. You spin my head round, round and round.
vérifie que c'est assez serré, on le peint et on met une cloche dessus, comme ça. C'est le plus mignon et le plus rigolo des jouets. Misty Gris va l'adorer. Oh, désolé, papa. Très intéressant, ce livre. Je vais te faire un lit, Misty Gris. Ces chaussettes sont assorties et elles s'étirent facilement aussi. On va leur donner un petit coup de ciseau. Je suis certaine que Misty Gris rentrerait dedans sans problème. Quatre morceaux. Maintenant, on y met le coussin. On attache les chaussettes. Et voilà le parfait hamac. On peut le soulever et l'accrocher là. Ah, ouh, un nouveau copain pour Misty Gris. Oh, trop confortable. Oh, mais qu'est-ce qui sent mauvais comme ça? Oh, hein? Ça pue trop! Il faut te mettre au frigo. Heureusement que j'ai trouvé ça! Un mini-frigo. Je l'emmènerai en soirée pour les sodas et les snacks. J'adore ces lumières. Mais la pâtée pour chat ne peut plus attendre. De toute façon, votre place est ici. Et des plantes aussi. Ça fait comme un petit coin cuisine. Oh, je suis trop forte pour ça. Misty Gris, viens me gâter. Je vais te faire une télé. Oh, j'ai une super idée. Tiens, je t'ai fabriqué une télé. En carton. Un carton rose bonbon. Je vais faire une coque pour l'iPad. On n'oublie pas les autocollants, évidemment. Comme ça. On met l'iPad dans le cadre. Et voilà. On va se faire plein de soirées ciné ici. Là, ça peut être le salon. Ensuite, ce truc-là. Ouais, ton nouveau plumeau en jouet. Parfait pour une salle de télé. Le dernier sticker. La vache, quel canapé confortable. Maintenant, voyons comment le sable de litière pour chat fonctionne. Donc, le liquide devient solide. Et avec une pelle en plastique, non. Avec ce gadget spécial, on remue plusieurs fois. Et on le déverse dans le sac. Burk, l'étape la moins sympa. On enlève le sac et on le jette à la poubelle. C'est bien parce que c'est toi, ma chérie. Heureusement qu'il y a des gens pour faire des gadgets comme ça. Ah, voilà. Allez, on continue. Oh, miam miam, des bonbons, miam miam. Hein? Un bocal? Oh, je peux en faire quelque chose. Les bonbons, ça peut attendre. Pour ça, il va me falloir un peu d'eau. Je vous jure, ça va être trop beau. J'adore les aquariums. Des cailloux pour la déco. C'est indispensable dans un aquarium. Quelques fausses plantes qu'on met bien au fond. Et les petits habitants de l'aquarium, bien sûr. Ce sont seulement des jouets. Ouais! On les met tous dedans. Non! Waouh! J'ai réussi, Misty Gris! Bon, au moins c'est bien décoré ici. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Je sais! Un petit coin détente pour elle. Là, ce sera nickel. Je vais le remplir de balles en peluche multicolore. Super, c'est trop chou! Encore des joujoux pour toi! Cet avocat à tourner te détendra. Je vais t'aménager ta salle de jeu, tu vas voir. Pouf! Et évidemment, on n'oublie jamais de mettre une chouette photo. Là, sur l'étagère du haut, ma belle. Et une boule à facettes pour faire des soirées jusqu'au bout de la nuit. Misty Gris, Misty Gris! Que la fête commence! Visite de la discothèque, ouais! Une fontaine à eau potable. Un lit douillet et moelleux. Un coin cuisine avec de la verdure. La meilleure salle de télé pour chat au monde! Une salle de jeu ultra moderne, haute en couleurs. Waouh! Et j'ai encore mieux! Oh, cette balle à gratter que j'ai achetée sur Internet! Il y a même un socle en bois! Un jouet qui tourne pour que le meilleur de tous les chats se fasse les griffes! On a aussi ce joujou dernier cri rien que pour toi! On l'allume et on joue! Oh, si on le pose par terre, il bouge encore! Tu vas pouvoir t'amuser pendant des heures! Oh. À quoi ça sert, ça? Oh, ça marche pas! C'est parti! Oh. Aïe! Oh, oh. Quoi? Oh, salut! Hein? Oh, c'est un robot pour jouer!
C'est l'heure de jouer. Ha, ha, ha. Oh, oh, j'ai la tête qui tourne. Ça suffit. Dernier jouet. C'est lourd, dis donc. C'est pas de la haute technologie. Waouh! Ça s'étire à l'infini, ce truc. Waouh! On peut faire n'importe quelle forme avec. Un cercle, c'est l'idéal. Et maintenant, on peut faire rouler la petite balle à l'intérieur. Et c'est encore élastique. C'est vraiment cool. C'est pour les chats, mais ça existe aussi pour les enfants. Oh, tu faisais dodo. Mes appartements privés sont-ils prêts? Oh, voilà pour toi. Ce château est pour moi? Waouh, ma grande, tu es très douée pour ça. Un hamac? Cool. Oh, je vais pleurer. Même Hello Kitty n'a pas un tunnel pareil. Oh, c'est quoi ce truc violet qui brille? J'ai envie de le frapper toute la journée. Une balle dans un carton? Génial! Hein? Où en suis-je? Nom d'un chien, je sais pas par où commencer. Un bol à coussin rien que pour moi? T'as vraiment pensé à tout! Maintenant, passons à l'autre pièce. Oh, j'adore cette jolie salle de télé et cet engin. Et si j'ai une petite soif, j'ai une fontaine privée. Je le répète, Grace, c'est un super coin télé. Quoi? De la pâté pour chat toute fraîche? Waouh, je suis au paradis des félins, là. Les poissons sont bizarres, mais personne n'est parfait. Oh, c'est quoi, ça? T'es vivant? D'accord. Je vais inaugurer ce tunnel. Il n'y a aucune intimité ici. Trop confortable, très très confort. Oh, elle aime beaucoup, je crois. Grace, qu'est-ce que c'est que ça? Hmm? C'est moi qui l'ai fait. Fais-moi voir. S'il te plaît, ne me crie pas dessus. Mais c'est génial! Hein? Un papillon! Ouh. Qu'est-ce qu'il y a là? Non! Hein? Quoi? Quoi? Et mon intimité! Oh non! C'est trop chou! Oh, sérieux? Je vais devoir prendre mes médicaments. Oh. Ouais! Hein? Impossible, Lola, je n'aime pas ce style. Ah, c'est pour TikTok. Elle arrive. Les chiens sont les meilleurs. Quoi de neuf, les filles? Vous avez vu ma nouvelle tenue? Ah, les chats sont mieux. Oh, je vais construire une chambre secrète. Oh, moi aussi. Allez, Kitty. Oh, je déteste les chiens. Ma chérie, détends-toi. Peut-être que je vais prendre le lit du haut. Ouais, tout en rose pour mon chaton. Oh non, je vais le prendre, moi. Toi? Décidons ça de manière juste et correcte. Ah. Ouch! Ouch! Très bien, t'as gagné! Oh. Chat 1, chien 0. De toute façon, Milo a le vertige. C'est tellement délicieux, du bon bois. Je peux utiliser ça pour la chambre. Oh, plus tard. Kitty n'aime pas ses coussins. Au revoir, Monsieur Teddy. Ha! I am blue, da da di da da, da da di da da da. Waouh! C'est encore mieux que ce que je pensais. C'est lourd. Oh! Mais ça a l'air génial. Kitty va adorer ça. Tu es là. Oh, mon bébé. Comment ça se passe pour la chambre? Quand sera-t-elle terminée? Oh, je t'aime aussi. Wishy 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 wishy. Naomi. Oups, désolée. Même ensemble, elles sont parfaites. Prête à les décorer. Ouais, j'adore décorer. La mienne sera la meilleure. On verra. Cet espace pour la chatière est parfait. Waouh, super pour lui. Mais il manque quelque chose. Heureusement, j'ai vu un tutoriel de bricolage. Simple comme bonjour. L'entrée de Milo est prête. Ce cadre est parfait pour les chats. Mais trop doux pour Kitty. Je sais. Haleine du matin. Excuse-moi. Les filles, encore? Désolée, papa, j'ai juste besoin de la brosse. Bien, c'est important. Maintenant, je vais en coller tout autour pour faire une porte brossante. Voilà, une porte brossante pour la fourrure de Kitty. Je me demande si ça fonctionne sur moi aussi. Oh, waouh, c'est tellement beau et rose. Bon, ça suffit. Oh non! À l'aide! Aide-moi! Aide-moi, je suis coincée! Tire, Naomi, sors-moi de là! Je tire! Prête? Un, deux! Oh! Ouch. Désolée! Merci! Pas de soucis! Oh, ma tête! Oh, ces jolies choses sont parfaites pour les murs!
Et j'ai juste besoin de marqueurs de couleur pour ça. Place le pochoir et colorie dedans avec les marqueurs, comme ça. Oh, aussi mignon que Kitty. Waouh, je suis juste trop bonne à ça. Ces pochoirs sont géniaux. J'en ai fait sur tous les murs. Tu aimes ma petite Kitty? Bien sûr, elle dort encore. Waouh, je vais en faire aussi. Préparons le pochoir et colorions dedans. Il ne ressemble pas à Milo, mais un chien reste un chien, non? Terminé! J'ai aussi fait des pattes noires pour équilibrer par rapport au voisin rose. Oh ouais, je suis une artiste! Tu aimes Milo? Le bleu va mieux avec un peu de rose, tu ne trouves pas? Du rose? Vraiment? Qui pourrait le deviner? Quoi? Le rose est génial! Ah, waouh! Je vais faire des jouets. Avec ce lourd poteau et cette corde, je vais faire un jouet à gratter pour elle. Noue juste le bout de la corde et entoure tout le poteau avec la corde, de manière très serrée. Bien sûr, il doit être plein de couleurs, alors peins-le. Et il sera prêt à être gratté. Un jouet à gratter comme lime à ongles. Ouch! Bon, les ongles de Kitty. Ouch! Hein? Peut-être qu'elle a juste rencontré un insecte. Ouais, continue à créer de nouveaux jouets pour Milo. On va avoir besoin de la manche d'un vieux pull. Une bouteille vide et des encas aussi. Remplissons la bouteille avec ses friandises préférées. Milo adore les petits os. Une fois rempli, pose le bouchon. Ça sent tellement bon, mais ça fait aussi beaucoup de bruit. Maintenant, couvrons la bouteille avec la manche, comme si c'était un bras. Maintenant, noue les bouts d'une façon rigolote pour attirer son attention. Terminé. Milo, regarde ça. Qui? Moi? Milo! Je suis un adulte, pas un enfant, Nami. Ouch! Hein? Je ferais mieux d'y aller. Et le mur de la famille est complet. Quoi d'autre? Oh, le lit! Excuse-moi. Oh, je suis à moitié nu. Oh, les filles! Oups, Daisy! Un coussin et un vieux pull. À l'aide du pull, recouvre le coussin confortable. Enroule la partie de la taille pour faire tenir le coussin. Et remplis le reste avec du coton ou autre chose. Assure-toi qu'il soit bien rempli. Il doit être agréable et confortable. Ensuite, rejoins les deux manches, comme ça. Serre très fort. Agence-le. Chaque espace doit être confortable. Oh, prêt! Ici, parmi la famille. Milo, viens ici. Tu as un nouveau petit. Il est confortable et on dirait qu'il est fait pour un gars adulte comme moi. Oh, mon petit bébé. Ouija, 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 ouija. Ma Kitty adore dormir. J'ai une idée. Un, deux, on retire les bas. Je vais créer un superbe lit avec ça et son coussin favori. Même les couleurs sont assorties. Fais une attache de bagages à main comme ça pour faire un hamac. Et accroche-le au plafond. Wow! Extensible et confortable. Kitty, essaye ça. Ton nouveau lit. Vraiment, meuf? Oh, regarde, c'est cool. Ouch! Tout va bien? Je vais prendre ça pour un oui. Peu importe. Bon. Milo, tu as soif? Bon, tu as lu dans mes pensées. Comment... J'ai vu ça sur Brico Sympa. Un réservoir avec une bande velcro et une bouteille d'eau. Colle une partie du ruban adhésif, l'autre partie sur une base préfaite avec la bouteille d'eau. Une fois que c'est en place, ouvre la bouteille, l'eau va couler et remplir la gamelle. Et une fois qu'elle est remplie, ça s'arrête tout seul. Shot, 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 tout le monde. Mon bébé, ouji, ouji, ouji. Brillante idée. Oh, peu importe, j'ai un gadget. Cette fontaine est faite pour les animaux chics. Et je dois juste la remplir avec de l'eau et l'activer. Un gadget parfait pour des animaux parfaits. Elle ressemble même à une vraie fontaine. Là, Kitty, je sais que tu as soif. Alors, essaye l'eau fraîche. D'une fontaine? Regarde, c'est facile. Hein? Lola, tu es là? Oui. C'est une fontaine pour boire. Je t'apporte juste ça, au cas où tu aurais soif. Merci, d'accord. Lola, où est mon repas? Une assiette classique? Trop barbant. Non, non, j'ai quelque chose pour toi. Un nouveau gadget. Waouh, il a l'air mieux que sur le site web. Waouh, regarde ça. C'est un gadget distributeur de nourriture. Retire le couvercle et remplis-le avec des friandises. Ensuite, rejoins les deux bouts comme ça. Très, très serré.
Regarde, Kitty, c'est comme un bol en plastique, mais tu dois le frapper. À chaque fois que tu tapes dessus, il te donne à manger. Je meurs de faim, Lola. Oh, ça a l'air cher et chic. Allez, ballon, nourris-moi tout de suite. Oui. Oh, tu adores, enfin. Un gadget distributeur de nourriture. Elle se croit très maligne. J'ai mon propre gadget. Un gadget distributeur de nourriture. Ça a l'air mieux que sur le site web. Ouais, essayons-le. Remplis les trous avec beaucoup de friandises. Elles doivent être très petites. Place-les chacune dans un trou. Et cache-les avec les petits couvercles coulissants. Milo, viens voir ça. C'est quoi cette technologie? Regarde, une friandise. Oh, miam. Oh, c'est rempli de friandises, le paradis. Oh, t'as pigé. Aussi vite? Appelle-moi quand il y en aura d'autres, meuf. C'est facile. Je pense que je devrais essayer ça. Oui, avec des bonbons. Après l'avoir lavé, bien sûr. Sur une table à plateau rotatif. Remplissons-le avec différentes friandises. Couvercle coulissant, dissimulé. Ajoutons d'autres friandises. Un bol à friandises excellent pour les soirées. Et avec une flèche rouge improvisée. Miam miam, lequel vais-je essayer? Porte-moi chance. Super roulette à Anka. Qu'est-ce qu'il y a sous ce couvercle mauve en forme de cœur? Plein de Skittles. Ouais, mes préférés. Miam 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 miam. Je mange comme Milo. Miam 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 miam. Oh, maman. Hé, hey, Naomi. Balance-moi ça, balance-moi ça. Oh. Naomi? Oh, oh. Salut. Joli mouvement. Le sofa est superbe. Il te faut un plus grand lit. Toutes les voitures ont un pneu de secours. Milo n'a juste qu'un lit. Je gère. Avec le pneu, je vais faire un plus grand lit. J'ai vu cette astuce sur YouTube. Retire la surface interne d'un côté du pneu. Maintenant, peins le pneu. Je vais le peindre en blanc. Ça doit correspondre. Une fois que la couleur de base est prête, il est temps de décorer le pneu. La bombe de peinture est tellement pratique pour ça. Oh, Milo va adorer. L'orange, c'est vraiment lui. Maintenant, il nous faut un coussin confortable plus grand pour le mettre dans le pneu. Tu peux en faire un avec des vêtements et du rembourrage. Prrr. Tu peux jauger le niveau de confort. Assure-toi que le nouveau coussin remplisse tout le pneu et qu'il soit confortable. Il est temps de le placer près du fauteuil. Milo, viens voir ça. C'est tellement confortable. Je suis confus. T'es un chien aussi? Regarde comme c'est chouette. Milo, tu vas adorer. Qu'est-ce qu'elle est... Oh! Je vais faire un lit pour toi aussi. Avec cette vieille boîte en carton. Je préfère le hamac. Ne t'en fais pas. Je vais le décorer. Je vais mettre ta couverture préférée dedans pour le rendre confortable. Et avec quelques jouets et un peu de décoration, ça sera un lit parfait. N'oublie pas de mettre des autocollants colorés et marrants pour couvrir la partie usée du bois. Et c'est comme un lit tout neuf. Regarde, il est assorti à la chambre. Parfait. Kitty, viens. Lola, sérieusement, je suis pas d'humeur. Qu'est-ce qu'elle... Le jouet. Oh, vraiment, Kitty? Tu ne pourras pas dire que je ne t'avais pas prévenu. Oh, je suppose que tu ne l'aimes pas. On a besoin de nouvelles photos géniales. Oh, je vais réaliser le cadre le plus cool du monde. J'ai juste besoin d'une feuille de carton et d'un marqueur. Tu vas avoir l'air tellement courageux et magnifique. Oh, regarde ce que maman a fait pour toi. Salut Milo, je suis Crypto. Regarde, je suis super chien. Oh mon Dieu, t'es tellement mignon. Oh, fais un sourire pour maman. Maintenant, cet angle. D'accord, c'en est trop. Milo, ma petite star d'Hollywood. Oh. Pourquoi il y a autant de bruit? Je vais lui voler son idée. J'ai aussi du papier carton et des marqueurs. Quoi? Lola, ça doit s'arrêter. Qu'est-ce que tu en dis? Je suis Batman. Kitty, c'est pour toi. Viens, une photo. Je le pense vraiment, Lola. Tu m'as perdue. Oh, t'as l'air tellement mignonne. Laisse-moi prendre une photo. N'y pense même pas. Hein? Kitty? Où est-elle? Oh, tu es là. C'est la morte, elle va partir. Qu'est-ce que t'en penses, Milo? Tu pouvais faire mieux, mais ça va. Oh, ta chambre secrète te correspond parfaitement. Tellement apaisante. Oh, ma mignonne petite princesse. Aussi chic que ta chambre secrète. Et si elle est secrète, pourquoi t'es toujours là? Regarde, tu es géniale, mais les chats sont indépendants. Laisse-moi. Et c'est reparti pour un tour. Ma chambre est plus chouette. Je dis ça comme ça. Quoi?
Oh, aucune chance. La mienne est beaucoup mieux. Ma chambre est mieux. Non, ma chambre est mieux. Ma chambre est mieux. Ma chambre est mieux. Ma chambre est mieux. Quoi? Kitty? Quoi? Le bleu correspond mieux à ma personnalité. Allons espionner par là. Traître. Regarde, Kitty m'a donné son lit. On échange de chambre? Ouais. Faisons ça. Toi, bouge, s'il te plaît. Laisse-moi passer. Tu l'aimes? Enfin, t'as l'air satisfaite. Tu sais quoi? En fait, j'apprécie ta positivité. Oh, j'aurais dû savoir que tu préférais le rose. Le rose? Allez! Waouh! Même la vue est meilleure. Au revoir! Salut.